juin 1956, place à la 18e étape du Tour d'Italie. Les organisateurs proposaient une étape de montagne très difficile entre Merano et le Monte Bandone, avec les ascensions de Costa Lunga, Rolle, Brocken et la montée finale vers le Monte Bandone. Les conditions climatiques ont été très difficiles avec la pluie en plaine et la neige en montagne. A noter tout d'abord 40 abandons, dont le maillot rose Pasquale Fornara. Du côté de la course, eh bien, l'ange de la montagne, le luxembourgeois Charlie Gaulle, est parti seul à 90 km de l'arrivée, alors qu'il était encore 24e du classement général à plus de 16 minutes. Il va renverser la course pour prendre définitivement le maillot rose pour glaner plus tard son premier grand tour. Il va devancer de 7 minutes et 44 secondes Giuseppe Fantini, de 12 minutes 15 Fiorenzo Mani, et au classement général, Charlie Gaulle devance de 3,27 Mani et 6,53 Coletto. Ciao tout le monde.